Alors, c'est parti mesdames et messieurs, on va lire le chapitre 82 de Boruto ou le chapitre 2 de To Blue Vortex, ça dépend des gens, en fait, comme vous appelez ça, comme vous voulez. On commence directement avec une Sarada en couverture, ça fait plaisir, même si c'est pas la même pose qu'il y avait dans le début du premier chapitre, je sais plus, bref. Attends, dégage, voilà. Hop là, je vais juste augmenter, attendez deux secondes. Voilà. C'est son anime chill préféré. C'est ton anime chill préféré, Mushoku ? Ouais ? En plus, Mushoku, ça en fout, ça y est, 10 épisodes pour trouver pourquoi. C'est vrai que ça fait. Je m'en suis pas rendu compte parce que moi, je regarde ça en stream, j'avoue que. 10 épisodes juste pour ça. Ouais, je suis dans Boruto là. Pourquoi on me parle de Mushoku, frère ? Alors, bon, je sais pas si ça va être centré sur Sarada ou pas, mais en tout cas, voir Sarada ici, moi, ok, c'est cool, c'est sympathique. Le noir et le rouge, des Uchiwa, tout ça. Ok. Ok, attends, deux secondes. Ok, c'est bon. Je te cherchais, Boruto. Je ne pensais pas que tu te montrerais aussi facilement. Il t'a marché dessus, mon ref. Il t'a marché dessus. Il est arrivé en te marchant dessus. C'est la première chose que t'arrives à dire. Genre en mode, il s'est rien passé. Il a oublié, je crois. J'aurais dû repasser le moment où il lui marche dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il a oublié, là. J'ai l'impression qu'il a oublié qu'il a marché dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû venir plutôt à Konoha si ça donnait cela. Oui, bah écoute. L'invasion soudaine de Code, les restes de Kara, celui qui est apparu dans le chaos à Konoha, est... ok. Renvoie tous ces monstres et n'en laisse aucun. Fais-le pendant que tu peux encore les contrôler. Si tu le fais, j'épargnerai ta vie. Ah, ok, pardon. excuse-nous. Baruto, il est pas venu ici pour parler, hein. Le Tokenjutsu, c'est pas son truc. Si tu le fais, j'épargnerai ta vie. Et c'est Boruto qui dit ça, là. Boruto qui arrive, juste, voilà, ses premières paroles, c'est « Si tu le fais, j'épargnerai ta vie. » Là, dans sa tête, là, il l'encule, là. Attends une minute, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, c'est une provocation de zinzin, hein. Il y a de cela 2 ans, tu t'es enfui de moi. Tu t'es enfui de moi sans pouvoir tenir une chance. Ok, et maintenant, tu es en train de dire « J'épargnerai ta vie. » Ouais. Ouais, parce que c'était il y a 2 ans, ça. Il y a 2 ans, il faisait pas encore forcément de poids. Là, il a eu l'entraînement spécial de Sasuke, plus les pouvoirs qu'il a obtenus, tout ça. T'inquiète. Là, ce regard, ça, c'est un regard de tueur. Tu m'as bien entendu, dépêche-toi si tu as compris. Oh. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup ce qui se passe. Les petits regards comme ça, dans ce cas, dans le cas contraire, ton œil gauche ne suffira pas. Ah ouais, mais carrément, il lui dit que son œil gauche ne suffira pas pour... C'est étonnant qu'on puisse penser... c'est étonnant qu'on puisse pousser un bluff aussi loin. Je ne peux que rire. Mais quel niveau il a atteint, Boruto? Mais j'ai tellement hâte de voir le niveau qu'il a atteint, c'est... Enfin, parce que là, il est... pour moi, c'est même pas du bluff. Hein. Pour moi, là, il est juste fort de zinzin, c'est tout. Boruto. Ah là, il est en kiff sur lui, là. Ah putain, ça fait 2 ans, je l'ai pas vu, là. Ah là là. Ah, c'est ça qu'il me fallait, là. C'est ça qu'elle est en train de se dire, là. Ah, c'est ça qu'il me fallait. Sarada, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu s'échapper. Je te les laisse. Laisse-moi m'occuper de ça. Toi, tu vas bien? Ah bah il a changé en 2 ans. Ah il a bien changé en 2 ans. Non mais Code, j'ai l'impression que c'est juste la grosse victime. Mais de toute façon, ouais, bon, franchement, quand tu regardes Code en général, t'as vraiment que c'est la victime qu'il a été créé pour être la victime du manga en fait. À chaque fois que tu le regardes, c'est à ça que tu penses. Hein. Franchement, j'aime beaucoup Code, hein, je dis pas que j'aime pas. Hein. C'est juste que voilà, il a vraiment cette image de victime. C'est tout. C'est fait pour, limite. On en parlera plus tard, mais d'abord, survie. Ok. Oh, j'aime bien. Manipulation des ombres. Ok, bon, les sbires à la con, là. Comment ils s'appellent, déjà? Ils avaient pas un nom de merde dans le chapitre d'avant? J'ai oublié leur nom, là. Oula, attends, mais ouais, c'est trop... Ah, voilà. J'avais zoomé trop. C'est quoi leur nom? Des dinosaures? Non, mais non, ils ont vraiment donné un nom à ces trucs, là. Mais j'ai oublié, c'était quoi? Ils ont donné un nom de merde à ça, là. Mais j'ai oublié. Paf, les coups de poing de Chocho, ok. Waouh! Ces choses ne valent pas grand chose, ils sont juste nombreux. Ok. Ok. Chocho, derrière toi! Merde! Hein? Ah oui, attends, what? Ah non, ok, non, c'est Inojin qui l'attrape avec son oiseau. Ouais, t'as cru tu l'avais fini là? T'as cru un coup de poing, c'était fini? C'est pas comme ça que ça marche ici. Les clones j'oublie, je pense. Non, j'ai dit que c'était un nom de merde. Avec le Jubi, c'est pas un nom de merde. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça se trouve, ils vont le redire là, je sais pas, mais...
C'est comme si Naruto débarquait contre Madara et disait « Arrête tes conneries, je vais te fumer solo. » Avec un regard noir et tout, imagine Naruto arriver et dire ça. Inujin est devenu bad moche, oui. Oui, oui, tout à fait. Chiche. Chiche. Ne baisse pas ta garde, là. Ne baisse pas ta garde, la grosse. Je suis pas grosse, merci Inujin. Mais merci Inujin. Ouais, ne baisse pas ta garde, la grosse. Mais ouais, mon gars. Ouais, c'est quoi ce manque de respect, là? Déjà, mec, t'as glowdown, t'as même pas le droit à la parole, frère. C'est une dinguerie de sortir ça comme ça, là. Voilà, bah karma, il s'est fait karma. Paf, son oiseau, il s'est fait couper une aile. Voilà, karma, il s'est fait karma. Par contre, quelqu'un peut la sauver, genre, je sais pas... Bah tiens, Kawaki, il m'a wari. Je pense que c'est Kawaki qui va sûrement... Bah oui, c'était évident. si c'est la petite sœur qui tombe, s'il y en a un qui doit la sauver... Je pensais, à part Boruto, mais Boruto il est pas là, bah c'est Kawaki évidemment. Entrée en scène de Kawaki volant. Écartez-vous, Kawaki. Oni et Tan. Ok. Coup de pied en légende. S'en bat les couilles, hein. Bon c'est juste un coup de pied, hein. C'est, il a juste repoussé, normal. Oh. Putain, par contre, l'OST trap au moment où Kawaki arrive. J'ai pas fait exprès, hein. C'est vraiment aléatoire la musique là actuellement. Oni-chan, merci. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Combien de fois je dois le dire pour que tu le comprennes enfin? Mais... Bah Oni-chan, c'est normal de dire ça, elle pense que t'es son grand frère. Ah, même si dans tous les cas, que tu sois son grand frère Boruto ou quoi, même peu importe l'illusion ou quoi, elle considère comme telle dans tous les cas en soi, donc... Ses marques de griffes ont l'air différentes de celles des autres, il a l'air d'être supérieur. Ok, donc lui il est supérieur par rapport aux autres, ok. Il a l'air, ouais, les autres c'est des bouffons quoi. Ok. Wesh! Ça prend la tête de Kawaki comme ça, là! Mais wesh! D'accord. Ok. Ah oui! Ça se fait surprendre comme ça? Hey, t'as pas... En deux ans, t'as pas trop évolué, mon gars. Il t'arrive quoi, là? Ok. Gars, échappe-toi, Kawaki. Ça ne va pas durer longtemps. Ok. Ah oui, il utilise la marque carrément pour... Otsutsuki. Je déteste les personnes qui portent ce nom. Ok. Ok, il l'a dégagé. Ok. Bon, il a quand même dû utiliser le Kama. Hein. Ça reste. Du coup, bon, il y en a d'autres. Du coup, ouais, bon, c'est vrai que ces trucs-là, ils se multiplient. Là. Enfin, ils se multiplient, mais ils se TP à cause des griffes, du coup, depuis l'endroit. Du coup, ça arrête pas de. Ah! Pardon. Sega ne s'arrête. Attends. Sega ne s'arrête jamais, bon sang. Combien il en reste encore? Ça n'a pas d'importance, on va tous les tuer un par un, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul. Ok. Ok, on retourne sur du Boruto versus Code. Comment il se fait surprendre? Je sais pas comment il se fait surprendre, mais bon, ouais, c'est pas grave. C'était un truc plus élevé que les autres. Bon. On dirait des Zetsu blancs. On dirait des Zetsu blancs, mais en beaucoup moins compétents. Ouais. Je m'en fous un peu d'eux, je t'avoue. Hein. Je préférais les Zetsu à ce stade. Mais bon, c'est pas une compétition. Ouh! Attends, c'est... Il a dégainé le sable, là? Ok. Ouh! Ok. Boruto qui utilise le sabre, enfin. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est bon. Juste un slash comme ça, on l'a même pas vu dégainer. Ah! J'aime bien, ça, la coupe en deux. Bon, après, ça, c'est un classique. Ça, c'est un normal. C'est pas comme l'autre où on voyait son œil, il avait l'air plus évolué. Lui, ça reste un basique. Enfin, je crois, tout du moins. Et du coup ils arrivent tous, et du coup ils les déglinguent tous évidemment, bah oui. Bah oui Boruto, voilà, montre-leur là. Montre-leur, tes sbires de merde ils sont éclatés gros, viens te battre toi-même. On dirait que ce n'était pas qu'un bluff. Après bon c'est... Après ça fait deux ans qu'il s'est entraîné. C'est pas étonnant qu'il arrive à défoncer des sbires quoi, genre enfin je sais pas, c'est pas comme si... Ça se trouve, il peut défoncer des sbires, mais te défoncer toi, voilà, c'est peut-être pas ça non plus, je sais pas, mais... Si tu comptes continuer comme ça, il n'en restera plus un seul. Ne t'emporte pas juste en ayant tué quelques-uns d'entre eux. J'en ai encore une tonne à jeter. Ouais, une tonne, hein, ça changera pas grand-chose. Entre autres, ces choses ne sont rien d'autre que des outils. Ouais, c'est des sbires à la con, on avait compris. Tu ne comprends vraiment pas. Ces choses sont la véritable peur de Jubi. Nani ? Ok. Oh, ok, Sarada, Katon. Ok, boule de feu, bon, basique, hein. Bon, Sarada qui fait un boule de feu, ok, je...
Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. En vrai, j'aime beaucoup le flow de Sarada, même si de base... Oula, attendez. Même si de base, moi et les talons pour Sarada, je suis pas fan de Fou Furieux pour les talons. En vrai, bon... Ah bon, ça va, en vrai. Bon, si elle arrive à courir avec, tant mieux pour elle, hein, j'ai envie de dire, en soi. Il me semble que, de toute façon, Tsunade, elle avait des talons, Tsunade, aussi, non, de toute façon. Je sais pas si c'était aussi haut. Je sais plus si elle avait des talons aussi haut, Tsunade. Elle a des talons, si, je crois, non, je sais plus. Bref. Un petit Chidori, là, ok. Ok, petit Chidori. Ok. Bon, de toute façon, c'est encore des sbires dans tous les cas, donc heureusement qu'elle les bat, sinon elle serait un peu trop derrière Boruto si elle les battait pas à ce stade. Ouais, Tsunade aussi, elle a des... Ok. Donc en vrai, de vrai, c'est pas très grave non plus. Donc en vrai, je valide le flow de Sarada à 100%. Regarde quand elle est dos là, avec sa chemise, sa veste sur le côté là. Incroyable, tu es vraiment une guénine. Ah oui, c'est vrai, du coup, elle est encore guénine du coup. Ça a vraiment de l'importance, être une guénine ou une jonine. C'est vrai que bon, le rang, bon, dans Naruto... Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de ce genre de truc guénine, jonine dans Boruto actuellement? Je pense qu'on s'en fout à ce stade, hein. Ça a plus trop de valeur. Ok, ça attaque par derrière. Uchiwa, derrière toi! Hein? Ok... Attends, c'est qui? Ah, c'est un lambda, hein. Qui s'est fait mordre? Naruto devenu Okagi, Edin, donc bon... Ce type, Monsieur Soegi... Ah putain! Aidez-moi. Et du coup, il se transforme. Oh, ouais, d'accord. Un arbre. What the fuck. Et du coup, ils peuvent... Ah, du coup, ouais, c'est compliqué. Du coup, chaque sbire peut prendre genre un gars comme ça, l'enlacer et se transformer en arbre avec, genre. D'accord. Après, bon, c'est des trucs de Jubi, hein. Voilà, faut bien qu'ils aient un truc assez fort, assez cheaté, tu vois, de logique. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais beaucoup sur Jubi, également connu sous le nom du démon à 10 queues. C'est évident. Manger le Tsutsuki. Ok. Bon, en réalité, ce sont juste des bêtes qui suivent leur instinct et mangent n'importe qui. Jusqu'à ce qu'un jour, ils atteignent un autre Tsutsuki pour ensuite devenir un grand arbre. Ok. C'est des mini Shinju. C'était peut-être le cas à l'origine, mais ces choses sont différentes maintenant, parce que tu les as changées. Ce n'est pas trop tard. Il a l'air de savoir beaucoup de choses, Boruto, hein, putain. Débarrasse-toi d'eux, tant que tu as toujours le contrôle sur eux. Si tu ne le fais pas, ce sera le pire des futurs pour tout le monde. Mais il a l'air de savoir tellement de... En fait, ça fait... Je suis pas encore habitué à avoir un Boruto aussi sérieux, aussi grand, et qu'il a l'air de savoir plein de choses que nous, on sait pas forcément. Ou peut-être des trucs que j'ai oubliés, ça se trouve... Je sais rien, non, il s'est passé des choses en 2 ans. Hein. Ça fait trop bizarre, je suis pas encore habitué, là. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Si le démon a dit que mange un Otsutsuki, ses racines pousseront jusqu'au fin fond du sol pour devenir un Shinjo. Si c'est le cas, la planète mourra. Mon objectif est d'aller au-delà de ce pire avenir. Excusez-moi si je fais des pauses des fois, c'est juste pour éviter que ça bip trop ce truc. Je vais le répéter, Code, j'épargnerai ta vie à condition que tu emmènes là où se trouve le dé... Que tu m'emmènes là où se trouve le démon a dit que. Arrête de dire des conneries, tu es devenu fou. Je vais le dire clairement, ce sera facile de... Ah oh, ok. Je vais le dire clairement, ce sera facile de te tuer. Si tu veux mourir en vain, que dirais-tu d'aider le monde au moins une fois? Non mais wesh. C'est quel genre de flex ça là? Ce sera facile de te tuer, mais gros, quel niveau il a? J'en peux plus, mais montrez-moi, vite, là, battez-vous! Battez-vous! Ça suffit, tu es celui qui va mourir. Allez, bah, c'est bon, celui... Je vais te tuer, mourir, battez-vous! Je suppose qu'il n'y a pas de remède pour les attarder. Oh, c'est vraiment une victime, quoi, ça me fout droit. Ok, un petit Rasengan, un petit nouveau truc. Rasengan, il utilise toujours cette ancienne technique. Oublié et chassé de son village natal, quel est le nouveau pouvoir de Boruto? Oh là là, Rasengan Uzuhiko. Rasengan Uzuhiko, oh là là. Ça s'arrête là, putain. Ça passe trop vite! Un scan par mois, frère, ça passe trop vite!
En tout cas, très bon cliffhanger là. On sait ça veut dire quoi? Ça signifie quoi, Uzuhiko? Putain. Mais gros, mais j'ai l'impression qu'il va juste lui foudroyer sa mère là. Hein. C'est. Là, prochain scan, on va voir Boruto éclater la daronne à Code. On va le voir par terre en 3 pages. On va se dire qu'est-ce qui se passe. Code va se faire maraf prochain chapitre. Du coup, en fait, ça a l'air d'être un truc. Du coup, c'est un Rasengan, mais genre, ça a l'air de prendre tout son corps entier. C'est quoi le truc? Genre, qu'est-ce que ça pourrait... J'essaie de comprendre ce que ça pourrait être. Que en soi, c'est un Rasengan, ça fait quoi en général? Enfin, c'est bizarre, c'est du vent qui tourne et qui... Bon, là, bon, je dis ça en mode... Quoi, il va être rapide de zinzin, peut-être? Plus... Ouais, enfin, de toute façon, quand je vois du vent comme ça tout autour, comme ça, je me dis, c'est une technique de vitesse. J'ai l'impression que c'est. Genre, il s'aide du vent pour se déplacer vite, genre. Univers, Vortex, l'élu et Prince. C'est les 4 significations qui reviennent. Ah, on se rappelle aussi que oui, c'est vrai que Boruto maintenant s'appelle Boruto Tout Blue Vortex, donc un petit rapport avec. Du coup, Univers, Vortex, l'élu et Prince. C'est ça les significations. Ah ouais. Ok, putain. Putain, c'est chiant d'attendre un mois à chaque fois. Putain, c'est chiant, c'est long à attendre. Peut-être un truc à la Gojo, genre il peut pas le toucher. Ah, univers vorté. Oh, ouais, si c'est un truc à ce stade-là, frère, c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie, pas content. J'avoue qu'il y a moyen, puisque c'est un truc qui a l'air de prendre tout son corps, enfin tout autour de lui. Ça se trouve là, prochaine attaque, Code il va l'attaquer avec un truc, je sais pas, une grosse attaque, et ça va rien lui faire, ça va pas le toucher. Genre là, il va pas bouger, et là, paf, et c'est lui qui va contre-attaquer juste après. À la Gojo, comme on a dit, genre. Par contre, du coup, les sbires de Code, en fait, c'est les mecs de l'appareil manga avec un panneau frieux qui te touche sans ton consentement, en gros, c'est ça. Mais en prime, en plus, ils t'emprisonnent dans un arbre, voilà, tu peux plus rien faire, c'est compliqué. Après, bon, je pense pas que les gens soient morts non plus. À tous les coups, ils vont réussir trouver un moyen de les sauver ou je sais pas quoi, mais ouais. En tout cas, très intéressant. J'ai beaucoup aimé, c'est passé vite. Mais bon, ce sera toujours... C'est comme ça, quand on aime, ça passe vite, c'est normal. Mais là, le nouveau pouvoir de Boruto. Rasengan Uzuhiko. Oh là là. En plus, c'est des écolos, fait chier. Ouais, vu comme ça aussi, oui, bon. Bon, mesdames et messieurs, c'était le chapitre de Boruto. Bah écoutez, moi j'ai bien kiffé, hein. Bon, on peut pas faire, y a pas de théorie à faire en vrai. Hein. On peut pas vraiment réfléchir à 40 000 choses. Bon, à part le nouveau pouvoir de Boruto, y a pas grand chose à penser sinon. Hein. Ça me fait mal de dire ça, mais s'il se fait vraiment enculer encore une fois facilement de manière aberrante, il est vraiment carry par le flow, quoi. S'il se fait défoncer, hein.